Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai tracer chez vous. Aujourd'hui on est à côté de Marseille parce qu'il y a la jam demain. On va rester un peu dans le coin et on va essayer de repérer un spot qu'on cherche depuis pas mal de temps. Un petit spot qui est un peu caché. C'est un petit spot de baignade où il y a un rope swing. J'espère que ce sera pas asséché parce qu'en ce moment il y a d'énormes sécheresses et du coup il y a tous les lacs qui sont un peu à sec. Mais on va essayer de le trouver et puis de se baigner. J'entends des petits bruits d'eau, ça veut dire que potentiellement de l'eau quand même. Oh, ça a l'air tellement stylé. Oh. Donc ça nous fait vraiment tellement kiffer de trouver des petits endroits comme ça, un peu secrets. Comme ça tu te baignes, t'es vraiment tranquille avec tes potes. Oh, elle est un petit peu froide en plus, ça fait du bien. Le spot, il est incroyable. Et c'est vraiment trop stylé. En plus c'est vraiment au milieu de nulle part. Je crois que ça a pas l'air très connu. Et toutes les rivières là en ce moment elles sont asséchées. Mais là on a eu grave de la chance. En fait en arrivant on a vu une rivière et on pensait que ça allait être mort. Et là on s'est rapproché, on a entendu le bruit de l'eau. Et on est arrivé dans un petit coin de paradis, c'est incroyable. C'est trop agréable. Vraiment l'eau elle est pile poil à la bonne température. Ah ouais. J'ai l'impression d'être dans un Disney, genre un truc un peu irréel. On vient juste de débarquer d'une ville, il n'y avait aucun sens pour que ce soit un endroit aussi paradisiaque. Et là on tombe là-dessus. Incroyable. Oui. Un gros saut lui. Oui. Là il commence à pleuvoir, on commence à se faire prendre dans un orage. On va essayer de s'abriter sous la petite grotte là. Bon là on est à Saint-Père et on a la recherche d'un spot de cliff que les abonnés ils nous ont donné. Il y en a eu au moins une dizaine qui nous ont conseillé ce spot et là on essaie de le trouver sauf que c'est une galère parce qu'il n'y a que des impasses. Du coup là on va essayer de trouver un accès et ça va partir en petite session cliff là, ça va être sympa. C'est bon, on a trouvé l'accès. Wouhou. Waouh. Oh c'est parfait. J'ai l'impression que ça se dote hein. Ah mais ouais, faut qu'on voit la hauteur. Bon alors qui c'est qui mesure là? Tu lui dis, il dira entre 12. Ouais, 12, ouais. Ouais, il a l'air de se faire bien, ouais. 3, 2, 1, send it! You! Moi je crois que ça va partir en dodge parce que j'ai mal à la cheville et je peux pas trop faire des droits. Du coup je vais essayer de faire dodge mais j'ai jamais fait aussi haut. Mais ça fait bien bien badé. Allez. Allez Louis. Allez, 3, 2, 1, send it. Oh, c'est une dinguerie.
On a terminé la petite session cliff, bien chill. Et maintenant, on va se mettre en recherche d'un petit spot pour dormir. On va essayer de grimper un peu pour avoir une belle vue sur les collines là. On est arrivé au bout d'une colline sur un spot de camping sauvage et avec les gars on avait vraiment envie de dormir en hamac coûte que coûte. Du coup on a cherché un spot et le seul arbre qui était pas mal il est un peu plus haut dans la colline et il y a un vent de malade, mais vraiment un vent de malade. Sauf que je crois qu'on a trop envie de dormir en hamac, du coup on va vraiment aller passer la nuit là-bas. Allez, je vous emmène. Bienvenue dans le dortoir. Il y a vraiment beaucoup de vent, je vous ai pas montré. On va dormir et demain on va avoir une vue de l'extrême là-bas. Ouais. Franchement, on peut s'attendre à tout, mais là ça va être fou. Après, on va peut-être pas dormir. Bisous les abonnés. Bisous. Bonne nuit. Bon. Attends, c'est d'avoir la vue derrière. Okay. Qu'est-ce que je peux dire de cette nuit? Elle était merdique, complètement éclatée, je sais pas pourquoi on a fait ça. On savait très bien qu'on allait mal dormir. Moi je me suis barré à 6h du mat, je suis allé dormir sur les cailloux. Il y a une guêpe, elle m'emmerdait, mais elle m'emmerdait moins que le vent, du coup je l'ai laissé faire. Mais si en vrai on savait pourquoi on venait dormir là, c'était pour la vue. Ouais bah franchement, on aurait pu dormir dans une tente et ouvrir la tente, il y aurait eu la même vue. Ouais, c'est vrai. On va éclater un gros petit déj là. Oh oui, brioche. Nutella. Non, pas Nutella, c'est de la merde. Pâte Nutella. Tartiner. Pâte à tartiner. Oula. Oula. Aïe. Mehdi, Mehdi. Arrête frérot, je sais pas. On espère qu'il va y avoir du monde. Hein. On a fait un sondage Instagram et normalement il y a 194 personnes qui ont dit oui, qui venaient. Mais on sait jamais avec les réseaux et tout. Bien. Ça veut si pas forcément dire grand chose. Tout le monde qui vient, je paye à manger à toute la Wizzy. Oh là là. What? On va compter et Thomas il va ralasse les kebabs là. Hein. Le pauvre. Le compte Crédit Agricole en sueur. Début de la jam à Marseille, il y a pas mal de monde qui est là. Il y a tout le monde qui commence à repérer ces petits défis. Et on a repéré qu'à côté du spot, il y avait un arrêt de bus. Et il y a moyen peut-être de sauter sur un bus. Voilà, je pose ça là. Pour l'instant, on va s'échauffer tranquille et on verra. Mathieu, il commence à devenir fou avec les bus. Là. Ah frérot, incroyable. Ça régale les petites lines avec Taylor là. Incroyable. Bon là il y a des bus juste là. Et du coup on regarde comment ça se fait. J'attends mon bus là. Non, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais en fait le fait qu'on peut prendre de l'élan et paf on arrive sur le toit du bus, ça me plaît bien. Lui il veut faire Lloyd. T'as le dit, tu l'as dit? Ouais je l'ai pas dit mais je l'ai en tête. Bon en fait il a envie de faire Lloyd, c'est le move où il fait une roulade et il rajoute à 360 dedans. Et c'est assez compliqué parce que en fait tu vois pas le mur pendant le mouvement. Hein? Là ça aurait pu le faire. Ah c'est loin quand même pour faire un coaster. Normalement il s'arrête là. L'arrêt bus il est juste là. Faut regarder le prochain bus. Il y a un problème avec les bus. Hein. Ouais en ce moment on a un truc avec les bus. Mais c'est l'avenir en vrai, les transports en commun. C'est hyper important pour la planète, du coup on met l'accent là-dessus. Tu vois. Ah c'est loin, c'est loin. Il a le temps de faire des prêts, c'est n'importe quoi. Non. Non. What the fuck. Mais what? C'est quoi ce bordel? En fait il joue à Subway Surfer là, c'est quoi ce bordel? Ouais, il y a des moments où je me dis là c'est sûr, mais en fait c'est des fenêtres de genre 4 secondes. On va attendre le prochain bus, on va se préparer pour filmer tout ça.
Voilà, on est en train d'attendre les bus parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Du coup, il y a Dylan qui va aller en bas et qui va parler au chauffeur. Mec, j'ai loadé le bus et j'ai vraiment bien repoussé et tout machin et j'ai glissé et là j'ai vu genre une moto et j'ai fait waouh ouais, ça nique sa mère, j'y vais. Et là il y a une caisse qui est arrivée, je lui ai fait oh stop. Tu lui as dit quoi au gars? Je lui ai dit pour des destinations et tout. Il disait non, je chie une autre destination. Il me disait non, je chie une autre. Il disait non. J'ai dit bon bah là il y a le gros boom de Mathieu. Il fait c'est quoi? Je fais ah. Je sais pas, et là il y a Mehdi qui arrive. Mais c'est quoi? Mais je sais pas, je fais bon, bah merci beaucoup, c'est pas grave. Énorme. Bon, là on va changer de spot. C'est ça qui fait, c'est le petit secret de Thomas MPO, regarde. En fait, il se dope. Hop là, chaperesse de 14. Non, je déconne, il a juste une orgie. Hop là. Mais la protection au cas où si jamais je pose les deux mains par réflexe. Il va me ridiculiser, moi je vais essayer de le faire devant lui. Une main. Il m'a dit il avait une fenêtre de 3 minutes pour le faire, il est venu, en 5-7 il l'a dégommé, il s'est barré. Salut mec. Allez. Yeah. Nice. Yeah. Heureusement que c'est de la descente. Bon les gars, c'est la fin de journée et pour bien terminer une journée à Marseille, il faut clip de la corniche au coucher de soleil. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a les gars qui sont réunis. Let's go. Ça part au clip. Ouais. Mais il y avait les flics juste là. Ah, les flics ils disent rien dans ce spot. C'est Marseille bébé, ouais. Non mais Marseille c'est un autre monde hein. Bon, je le dis maintenant à la caméra. Putain, après ça va me mettre la pression. J'aimerais bien triple gainer. Mais c'est bas. Mais en même temps si je reste groupé c'est... Triple gainer, ah oui. Non mais je sais pas hein. Oui. Triple side pour la 2. Allez, apportez ça là.
Vas-y. Ça va? Bon, il a pris un petit plat, mais bon, tout va bien. Ah, je sais pas là, ça me. Je sais pas, c'est le genre. Je crois que je me suis trop mis la pression là. Vas-y, j'arrête. Non, c'est mort. Non, c'est mort en vrai. Pas grave. Ah ouais, non, des fois, ça fait partie du jeu, hein. Faut accepter de pas réussir à l'envoyer. En fait, c'est ça, les règles d'or pour faire du cliff, c'est d'une, faire la coulée, être sûr qu'il y a du fond. La deuxième règle, c'est que quand on fait un trick qu'on sait pas trop faire, ou qu'on n'est pas sûr de bien réussir, et bah on met quelqu'un dans l'eau. Comme ça, si jamais on perd connaissance en faisant un plat, parce que ça arrive, il peut vite récupérer ou mettre la personne en safety, on appelle ça. Et la règle numéro 3, c'est quand on le sent pas, on le fait pas. Et la 4, c'est que kiffer, hein. C'est du kiff, full plaisir, faites-vous plaisir, hein, c'est tout. T'as pris un petit plat là? Ouais, un petit plat du cul. Bon, ça repart, ça finit jamais en fait. 2. Yes, incroyable. Oh, c'est beau à voir, c'est beau. Hey, c'est beau les gars. C'est le full. En vrai, le clip, c'est beau. Marseille, c'est beau. Abonnez-vous. Le sunset, c'est beau. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.